En route pour Choco-Kiro. On est parti ce matin de Cusco à 7h, puis on a pris un bus à 13 sols en direction de Sahuité. On a pris un collectivo de Sahuité jusqu'à Cochara. Puis maintenant, on se dirige dans le petit sentier qui va nous amener jusqu'à les ruines Inca. Manger des bonnes pâtes avec du thon. On est arrivé au point de check-out du Choco-Kiro. Puis finalement, c'est rendu presque 40 sols au lieu de 10 sols. Mais là, on a la moitié du chemin de fer, fait qu'on va continuer. Ça a l'air de rien comme ça à caméra, là. Mais l'inclinaison est forte, puis on avance, je sais même pas si on avance à 2 km/h ou 1. C'est vraiment épuisant. On est fou. Kilomètre 23. Ça s'est demandé s'ils mettent les kilomètres à la bonne distance. Ça fait quasiment une heure qu'on marche. On n'est plus capable. On a hâte d'arriver au campement qui est supposé en avoir un à peu près à 4 ou 5 kilomètres d'ici. On est vraiment en train d'atteindre nos limites. C'est épuisant total. Aujourd'hui, on est dans l'humidité et les nuages. On continue à monter. C'est toujours pas facile. On sait pas si on va arrêter au dernier camp pour camper ou si on va se rendre en haut. Cherchez l'erreur. À peine 1 km plus loin, encore Santa Rosa. Et qu'il y en a sûrement un des deux qui est faux. Oh là là! Le vrai Santa Rosa, avec de l'eau, les robinets.
Nos deux sacs à dos. Le mien pèse environ 20-21 kilos avec 7 litres d'eau, un peu de nourriture, le poêle, etc., la tente. Maryse, probablement une douzaine de kilos sûrement. Là. Elle a de la nourriture aussi, puis des vêtements. Thank you.